may we invite you to enjoy driving together with your Becker car radio. Becker Auto Radio has prepared this recording to help you identify noise problems whilst the vehicle is moving. Noise caused by the natural behaviour of radio signals in the FM band is often the reason for unsuccessful repair attempts. Result? Frustration and wasted time. Now we have a noise such as this. When this noise is heard while the vehicle is moving, or exclusively on certain stations in certain areas, then there is a strong probability that local reception conditions are responsible and nothing can be done. Radio interference can be caused by many different atmospheric and environmental conditions, and yet the noises you hear may all sound alike. FM and FM stereo signals, due to their high frequency, behave much the same as light waves do. They travel in straight lines and can be blocked by hills and buildings. Since they travel only in straight lines and do not follow the curve of the earth as AM signals do, FM and FM stereo signals are usually limited to a range of only 20 to 30 miles. So, to maintain good FM or FM stereo reception, you must retune your radio to local stations as you travel. Let us now listen to some of the different sounds of interference and talk about their causes. When you hear the following sound, it means a natural or man-made obstruction is blocking the signal path from the radio station to the automobile aerial. This interference is mostly associated with fringe reception areas. In such instances, it is important to have the aerial fully extended. Please ensure that, in the case of mechanical aerials, the lowest telescope is fully extended until it reaches the stop. This is especially true of FM stereo reception, which acquires a 10 times stronger signal than regular FM. Please bear in mind that the obstruction causing the signal loss may not necessarily be in view or even in the immediate vicinity. Listen now to a flutter sound which will vary with the speed of the car. Should the signal arrive at the aerial by way of a number of different reflected paths, for example, if you are driving in town or through hilly countryside, the flutter effect could be made worse because of the resulting distortion rather than the short time loss of the signal. Here is another typical sound. Close to transmitters, you may experience an effect known as capture or station swapping, and it sounds like this. A control circuit in your car radio, however, largely eliminates this effect. Station swapping is caused when the signal you are listening to is temporarily blocked and your radio automatically tunes to a strong adjacent station on the dial. If, a few yards further on, the original station regains some power, or the interfering one loses some, the radio jumps back to its original station. Sometimes inaccurate tuning is the cause of station swapping, so fine-tuning to the desired station eliminates the problem. Under extremely strong signal conditions close to transmitters or in line of sight of powerful stations, the radio may be overloaded, and the result is station changing, mixing, or distortion of the signal. The control circuit in your car radio also largely eliminates these distortion signals. With the sensitivity switch of car radios having an automatic station finder, you can influence the input sensitivity of these radios during the automatic station selection. The radio automatically self-selects either powerful, semi-powerful, or all weak stations too. In the operation instructions of your radio, the manipulation of the sensitivity switch is explained. Now a few words about stereo reception.
Of course, you know that stereo reception is only possible on the FM band. When the stereo indicator lamp lights up, the FM station selected is broadcasting in stereo. The nature of stereo transmissions requires a considerably stronger signal at the aerial than mono broadcasts. If the aerial signal is not sufficiently strong, reception is noisy, sounding like this. In contrast to your stationary radio at home, your car is constantly changing its position and direction. Therefore, car radio reception can be distorted by reflections and interference, or brief variations of field intensity. So all Becker FM stereo car radios are fitted with an automatic mono stereo changeover switch, dependent upon signal strength. This means that the radio automatically switches over to mono when reception of a station becomes difficult. Please listen to this example. Only when the selected station becomes too weak for comfortable listening, even for mono reception, for example in fringe reception areas, does the stereo indicator lamp go out. This sounds like this. In case of this interference from physical sources, we can only recommend selection of another station with a stronger signal. Now a few words about care and maintenance of your cassette unit. Use only branded cassettes C60 and C90, which may be chrome dioxide or ferrochrome tape. The greatest enemies of a cassette are dust and heat. Never leave cassettes lying about loose or exposed to direct sunlight, for example on the dashboard or rear shelf. You will thus avoid warping of the cassette and jamming of the tape. With the vibrations of the car, the tape spool of cassettes can become loose. It is advisable, therefore, to store the cassettes in commercially available cassette boxes to prevent this. Should a tape loop develop, or the cassette become jammed, the electronic tape end stop fitted to the unit avoids further damage by automatically ejecting the cassette. Remove the cassette and, using a ballpoint pen, turn one of the spools until the loop has been rewound. You should then be able to fast wind and rewind the tape. As the reproduction quality of cassettes gradually diminishes, clean the head from time to time. Dust deposits on the head are unavoidable. The result is dull reproduction and a difference in volume between radio and cassette reproduction. For cleaning, we recommend only the special cleaning set enclosed with this cassette. Before use, please observe the printed instructions. Now some hints at the end of this cassette. Better stereo reception can be obtained by installing additional rear speakers. These can be adjusted via a fader control to balance the sound from front to rear. Now a few words about your car aerial. In most cases, a rod aerial is used. Please ensure that the lowest telescope is always fully extended, otherwise the incoming signal can be considerably reduced. The aerial is an important part of your receiving system. From time to time, you should clean it with the small cloth included in the cleaning set. Becker car radios are designed to eliminate, or at least minimize, any undesirable effects of driving in difficult reception areas. However, sometimes noise-free reception cannot be obtained, and tuning to another radio station or turning the tone control to its base position may be necessary. Replacing the radio, the aerial, or the loudspeaker simply will not help. We are sure that the instructive hints given on this cassette will assist you in obtaining good radio reception and good cassette reproduction. Should you have any further questions, please contact one of the service stations of our Central Service Department direct.
The addresses are listed in the leaflet enclosed with the warranty certificate. We wish you pleasant driving and good reception. Nous sommes heureux de faire ce voyage en votre compagnie et vous félicitons de l'achat de votre autoradio Becker. Becker a enregistré cette cassette afin de vous aider à reconnaître, lorsque vous roulez, les différents bruits de votre autoradio. Bruits qui sont provoqués par l'action naturelle des signaux radiophoniques en ondes ultra courtes et font souvent l'objet de tentatives de réparation, bien sûr infructueuses. Résultat, vous êtes déçu et vous avez perdu un temps précieux. Voici un exemple d'un de ces bruits. Si en roulant, vous entendez ce parasite, ou bien encore s'il n'est perceptible que sur certains émetteurs et dans des secteurs déterminés, cela proviendra très vraisemblablement des conditions locales de réception, et dans ce cas, il n'y a aucun remède possible. Des conditions atmosphériques et sectorielles très variées peuvent être à l'origine des parasites qui tous résonnent de façon similaire. Tenez compte du fait qu'étant donné leur haute fréquence, les signaux à ondes ultra-courtes et stéréo se comportent comme des ondes lumineuses. Ils se propagent en effet en ligne droite et peuvent être arrêtés par tous obstacles naturels ou artificiels. Étant donné que les signaux à ondes ultra-courtes et stéréo ne suivent pas la courbure terrestre, contrairement aux signaux à ondes moyennes, on estime la zone optimale de réception à environ 40 à 60 km autour de l'émetteur. Pour obtenir une bonne réception des ondes ultra-courtes stéréo pendant vos trajets en voiture, vous avez intérêt à régler votre poste sur l'émetteur local. Nous allons maintenant vous faire entendre différents parasites dont nous voulons vous expliquer l'origine. Écoutez ce bruit par exemple. Cela peut signifier qu'un obstacle naturel ou artificiel s'interpose entre la trajectoire du signal émis par la station radiophonique et votre antenne autoradio. Ce genre de parasite se manifeste la plupart du temps dans les zones limites de faible réception. Il est alors indispensable de déployer complètement votre antenne. Si elle est mécanique, veillez à ce que le dernier élément soit déboîté jusqu'à enclenchement. Ceci est particulièrement important pour la réception d'émissions en stéréo, car le signal émetteur doit être 10 fois plus puissant que pour une réception mono. Retenez bien ceci. L'obstacle provoquant la disparition du signal n'est pas forcément visible ou même à proximité. Écoutez maintenant un bruit de vibration qui souvent se modifie en fonction de la vitesse du véhicule. Si le signal émetteur arrive à l'antenne réceptrice en passant par différents obstacles réfléchissants, en ville par exemple ou dans les régions vallonnées, cet effet de vibration par les parasites en résultant s'amplifiera sans pour autant couper la réception. En voici le bruit caractéristique. Si vous vous trouvez à proximité d'un émetteur, il est possible que dans le cas d'une très mauvaise réception, votre appareil augmente de tonalité ou bien se mette à sauter des stations. Toutefois, le dispositif de réglage de votre autoradio élimine considérablement cet effet. En voici la tonalité. Le transfert involontaire sur une autre station se produit lorsque le signal émetteur reçu est temporairement arrêté. Votre autoradio commute alors automatiquement sur un émetteur voisin plus puissant. Si, au bout de quelques mètres, l'émetteur de départ reprend de la puissance et que le signal parasite s'affaiblisse, l'autoradio commutera automatiquement sur l'émetteur de départ. Un mauvais réglage peut être, quelquefois, à l'origine du transfert involontaire sur une autre station. Un réglage plus précis y remédiera.
Lorsque vous vous trouvez à proximité ou à portée de vue d'émetteurs puissants, il peut arriver que l'autoradio soit saturé. Conséquence, changement de station, mélange dans les programmes ou parasite. Le dispositif de réglage de votre autoradio élimine considérablement ces perturbations. Les autoradios munis d'un système de recherche automatique de station possèdent un bouton permettant d'influencer la sensibilité d'entrée de ses récepteurs. L'appareil fait pour vous une sélection automatique des stations puissantes ou de bonne réception, mais également des stations de faible émission. Dans les instructions d'emploi de votre autoradio, vous trouverez des indications précises concernant le maniement du bouton de sensibilité. Quelques mots encore au sujet de la réception stéréo. Vous n'ignorez certainement pas que la réception stéréo se fait sur ondes ultra courtes. Lorsqu'une station émet en stéréo, le voyant de contrôle stéréo de votre autoradio s'allume. De par leur nature, les retransmissions stéréophoniques ont besoin d'un signal à l'antenne réceptrice beaucoup plus important qu'en réception mono. Si le signal d'entrée tombe au-dessous d'une certaine valeur, la réception se brouille. Voici ce que cela donne. Si votre installation radiophonique a chez vous une place définitive, ce n'est pas le cas de votre véhicule qui, lui, est constamment en mouvement. La réception peut donc être influencée par des réflexions plus ou moins grandes, des parasites ou des baisses d'intensité du champ. C'est pour cette raison que les autoradios Becker disposant d'un système de réception stéréo sont munis d'un bouton stéréo mono de baisse d'intensité du champ, ce qui a pour effet, dans le cas de signaux stéréo faibles, de faire commuter automatiquement votre appareil sur la réception mono. Écoutez par exemple. Dès que la réception d'un émetteur n'est plus optimale, par exemple dans les zones de réception limite, le voyant lumineux stéréo s'éteint. En voici la tonalité. Pour pallier ces inconvénients d'ordre physique, nous ne pouvons donner qu'un seul conseil, à savoir régler votre appareil sur un émetteur plus puissant. Quelques mots encore au sujet de l'entretien de votre lecteur de cassettes. N'utilisez que des cassettes C60 et C90 de fabrication normale, chrome dioxyde ou ferrochrome. Les deux ennemis des cassettes sont la poussière et la chaleur. Il faudra donc veiller à ce qu'elles soient toujours dans leur étui et à l'abri de la chaleur. Vous éviterez ainsi déformations et mauvais fonctionnement. On évitera que la bande sorte de son logement ou qu'elle s'enroule mal à cause des vibrations du véhicule en conservant la cassette dans une boîte à cassette avec dispositif de blocage. S'il arrive toutefois que les bandes s'enroulent mal ou qu'elles sortent de la cassette, l'interrupteur électronique de contrôle de déroulement éjectera automatiquement la cassette afin que la bande ne se détériore pas. Sortez alors la cassette de l'appareil et réenroulez la bande au moyen d'un crayon que vous placerez dans l'un des trous de la bobine. Enfin, avec les touches avance et retour, déroulez puis réenroulez complètement la bobine. Si on utilise le lecteur de cassette régulièrement, il faut nettoyer la tête magnétique toutes les 4 semaines environ, ceci afin de conserver la qualité de reproduction. Dès que la reproduction est sourde et qu'il y a une grande différence de puissance entre la radio et l'audition de la cassette, cela signifie que la tête de lecture est sale. Pour nettoyer cette dernière, nous vous recommandons d'employer le nécessaire de nettoyage spécial joint à cette cassette. Auparavant, vous aurez soin de lire attentivement le mode d'emploi. Pour terminer, encore un mot au sujet des cassettes. Afin d'obtenir un meilleur rendement de votre autoradio stéréo, installez des haut-parleurs à l'arrière de votre voiture. Le régleur de fading sonore vous permettra de parvenir à un effet stéréo accru entre l'avant et l'arrière. Un mot encore à propos de votre antenne. La plupart du temps, on installe une antenne télescopique.
Veillez à ce que le dernier élément soit toujours bien tiré, vous éviterez ainsi perturbations et parasites. L'antenne constitue un élément important dans l'installation réceptrice, elle devra donc être nettoyée de temps en temps avec le chiffon d'entretien joint au nécessaire de nettoyage. La conception des autoradios Becker est telle que dans les régions de réception difficiles, les perturbations indésirables en voiture sont inexistantes ou pour le moins diminuées. Toutefois, lorsque le signal reçu n'est pas suffisant, il sera préférable de changer d'émetteur ou bien encore de régler la tonalité sur bas. Ce n'est pas en changeant la radio, l'antenne ou les haut-parleurs que l'on résoudra le problème. Nous sommes convaincus que cette cassette vous permettra de tirer le meilleur parti de votre autoradio Becker et de votre lecteur de cassette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter l'un de nos services après-vente ou de nos représentants. Les adresses des différentes agences se trouvent dans les documents joints à votre carte de garantie. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Becker Autoradio vous accompagne.